le camion va venir klaxonner un grand coup à côté de vous et vous surprendre. Et ce camion, il est multicolore, il a des grosses fleurs de lotus peintes dessus, des personnages fantasmagoriques. Here's Sen at the Louvre Museum. Visitors experiencing Sen's dessert installation called Renaissance Melody. In Milan, so we have an old one, the authentic one of Leonardo da Vinci. I appreciate it very much. I understand Christianity and how it's changed from the time of Leonardo until our day. What I really like is also to give the chance to everybody then to move pieces of it and in a sort of making personal new opinion of Christianity. So everybody can change it and give his personal way through an object of art of what Christianity is nowadays. So Sen here give us a new interpretation of Christianity and of the Last Supper. Malik Ghat, au nord de Calcutta, sous le pont Ora, à chacune de ses visites à Calcutta, Sen se rend ici, au marché aux fleurs, où il aime s'enivrer avec ses couleurs et ses odeurs. À partir de 3h du matin, des petits bateaux provenant de tout le Bengale accostent ici pour livrer les fleurs qui seront traitées et vendues durant toute la journée. Et c'est ces couleurs, cette ambiance, cette foule que l'on retrouve dans l'une des peintures de Sen appelées les pétales du pont d'Ora. Je pense que Sen est vraiment le premier à nous présenter un tableau qu'on peut regarder à hauteur de vue. On peut tourner autour. On peut le contempler. In Sen's Mumbai exhibition 2016, this blind woman heard about Sen's dessert painting style. She was curious to experience art that interacts with people. She wanted Sen to narrate the story of the painting she was touching. Other exhibition visitors unscrambling the floor installation called Spanish Steps. Dessert installations are a part of gesturism art. It is participative art with innumerable abstract forms that enable you to change the artwork every time. Art that invites people to play with Sen's vibrant colors. This wall dessert installation called Sardinian Rhapsody is inviting these viewers to participate. With their own gestures, they can remake the artwork in their perspective, but within the theme Sen created it in. Or perhaps they'll even find Sen's original painting. Gesturism Dessert is art that is accessible to everyone. Pour nous faire toucher du doigt la réalité indienne, Sen a eu l'idée que je trouve assez géniale. D'introduire cette notion de tableau en désordre. Les gants pour pouvoir manipuler les tableaux. Et je vais vous faire un petit peu découvrir le principe des tableaux en désordre. Grâce à ce désordre, donne la possibilité de créer une nouvelle vie, une nouvelle possibilité. Un tableau qu'on peut dire abstrait. Encore un nouveau tableau. Maintenant, je vais essayer de mettre ce tableau dans l'ordre tel qu'il a été peint par Sen. Vous allez voir que l'ordre est très difficile à atteindre en Inde. Un jour, Sen m'a dit une phrase qui m'a marqué. Parce que souvent, on me demande qu'est-ce que tu retiens de l'Inde, est-ce que tu aimes l'Inde. Et en fait, il m'a dit tout simplement, pour aimer l'Inde, il faut aimer le désordre. En tout cas, il ne faut pas être dérangé par mes ordres. Je crois que c'est ça. Et j'ai intériorisé ce message. Et maintenant que je commence à ne plus m'arrêter au désordre pour y voir
la vie grouillante, tourbillonnante. Eh bien, depuis que j'ai compris que l'Inde doit être regardée avec ce regard-là, j'ai trouvé que l'Inde était plus intéressante, plus accueillante, plus confortable. Et comme clin d'œil, malicieux de scène, les tours de Notre-Dame.